Salut à tous, à toutes les amis, c'est Freddy78, j'espère que vous avez une chopate. Attention, on se retrouve aujourd'hui pour le boss Metalhead, qui veut dire tête de métal. Donc c'est parti. Et je vous le cache pas, je me rappelle plus de ce boss non plus. Je crois qu'à partir de ce moment-là, je me rappelle plus de rien. Alors, ce boss, qu'est-ce que c'est? Ah si, ça y est, je m'en rappelle. Fail. Voilà. Tac. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Hop, hop, voilà. Ah, genre, il m'a touché. Un singe n'a été maltraité durant ce tournage. Il y a un petit trou. Non, ça marche pas comme ça. Je me suis fait. Donne-moi la vie. La vie, oui. Que ça marche du premier coup cette fois-ci. Parce que généralement je ne sais pas du premier coup. Tac, on a tout pris. Bon, il récupère la clé. Voilà, tac, hop, voilà, on est sûr d'y être. Voilà. Comment je t'ai ken? Elle est bleue, maintenant il en faut encore une qui est. Parce que là-bas, du coup, elle a respawn. Ça va. Bon, c'est pas grave. Donc il faut donc déjà 500 rubis et un dragon. Donc le dragon, il est là. Il s'agit de Sadiki. Metalhead a fait le plein pour t'affronter. Attaque les poteaux d'énergie pour le couper de sa source d'énergie. Merci, chaud. Attaque ça. Attaque ça, gros. Maintenant, tu attaques ça.
comment je peux le faire quand ils sont verts, ok. S'il vous plaît. En fait, à chaque fois je joue à Spyro, mais je pensais qu'il fallait juste une fendille. On va le chercher. Alors Spyro, t'as un gros cul, t'arrives pas à monter. On va tout ça. Bon, j'ai bon, il est pas. Allez hop, on continue. Tac, tac. On n'oublie pas qu'on a la clé. C'est par là. Je crois que c'est la dernière. Ok. Oh, je tiens, je me suis fait. Ah. Allez. Ça va être. Alors, moi j'ai trouvé l'astuce. Parce qu'avec Spyro, il y a un souci à cet endroit-là. Je kiffe. C'est que je vais vous montrer, regardez. Fous-toi bien de ma gueule. Non, bah ouais, là c'est fait. Allez, on monte. Voilà. J'en suis à combien du coup? 473. Non, on manque deux. On manque. J'en ai là. Et je crois que c'est deux, ça, le verbe. Voilà, niveau fini. Allez, on quitte, on retourne à la zombie. On invente une idée. Allez, 8000, et on quitte ce monde, et on va au prochain niveau, je crois qu'il est... Oh merde, t'as foutu. Bonjour. Je me sens beaucoup mieux maintenant que tant de dragons ont été sauvés. Bah oui. Saute dans le ballon, et je t'emmènerai au monde des tisseurs du rêve. Okay. Tu es prêt à y aller? C'est parti, on va au tisseur de rêve. Où je t'ai niqué. Chance. Le monde des tisseurs de rêve. C'est pas le monde avec les îles là ou je sais pas trop quoi là. Bien l'impression que si, hein. Qui est, je crois, le dernier niveau avant le boss. Si je dis pas de conneries, si c'est toutes les îles, ouais. Mais je crois que oui, d'ailleurs, de toute façon. Pim pam poum. Et allez, hop, là. C'est ça, ouais, donc c'est l'avant de... c'est le dernier niveau avant le boss. Donc les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, on se retrouve pour une prochaine vidéo, en attendant restez chaud patate, bye bye.